Il y a une dizaine d'années, l'agence m'a accompagné en tant qu'athlète et puis depuis 10 ans également, je les accompagne à chaque fois que c'est possible. Et est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, un jeune ou des jeunes donc pour lesquels vous diriez que c'est un parcours exemplaire? Il était tombé pour homicide involontaire. Il a rencontré la boxe au club de, au centre de détention de Muret grâce à Philippe Girard. Lui, on peut le nommer un éducateur à Toulouse. Il est sorti grâce à un conditionnel avec le club de boxe, il a trouvé un contrat d'apprentissage. Il est papa aujourd'hui, chef d'entreprise, il a des salariés et il avait gagné le tournoi de France professionnel. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que c'est vraiment le mélange éducation et sport, j'y crois depuis toute petite. J'ai grandi avec ça en ayant un père qui était prof de maths et prof de tennis. Donc vraiment, depuis toute petite, j'ai eu le sentiment que l'un fait du bien à l'autre et du coup je suis contente de voir qu'il y a énormément d'exemples ultra positifs. Si quand on vient comme ça avec Maillard sur une opération comme aujourd'hui, si on peut encourager les gens, et parce qu'il y a énormément de bénévoles, de gens passionnés et qui ne comptent pas leur temps, et je pense que c'est grâce à ça justement qu'il y a des enfants qui arrivent à monter les échelons, qui arrivent à s'en sortir. Depuis qu'ils font partie de l'association, ils se sont aperçus que le foot c'était pas synonyme de compétition quoi. Il y avait aussi des valeurs derrière. Ça, faut être très clair, le gamin qui rentre en quatrième, qui est fan de foot, il n'y a plus de difficultés, on va dire, au niveau du comportement à gérer. Ça, c'est d'aller chercher les enfants dans les quartiers, de les former, de les détecter et ensuite de les amener dans les écoles d'excellence. Mettre à plat ce qui était pour chacun d'entre nous des valeurs essentielles. Nous, pareil, on se sent impliqués parce que nous, on se sent impliqués dans les deux côtés. Donc, on a le rôle d'éducateur et à notre âge, on est encore éduqué par nos éducateurs. Je pense qu'on est un petit peu un exemple pour eux dans les salles d'entraînement, lorsqu'ils nous regardent aussi quand nos combats sont retransmis. Donc, on se doit de se donner toujours au maximum pour leur montrer un petit peu la voie. Après, c'est sûr qu'on n'est pas des messies, mais si on peut apporter un déclic à un jeune ou lui donner la voix, c'est bénéfique et on aura gagné notre mission. Remercier toutes les associations qui ont répondu à notre appel. La vie associative enrichit la qualité de la vie sociale. Elle permet à toutes et à tous, aux jeunes notamment, de conduire des projets, de s'engager, de s'intégrer, de se construire une identité.